Moi j'ai déjà commencé à enregistrer, hello. Ouais, t'es toujours la petite meuf. Eh bien salut à tous, c'est Hera et on est en compagnie de nos chers coéquipiers. On va commencer tiens par Tyrael 41. Bonjour. De Josh et de Hommage. Salut à tous. Et c'est parti là. Donc on vous a zappé la cinématique d'entrée qui est absolument chiante de toute façon. Oh, bon dedans, cours. Raider 6-5, est-ce que vous avez décollé? Décompression explosive dans le sous-lac-o. Ici Raider 6-5, le cordon ombilical se vide dans l'espace. C'est délicat. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi le mec il se tient l'oreille Raider, on va falloir être plus précis. Vous avez 20 minutes avant que tout s'effondre. Il faut le fermer. Non mais pourquoi il fait ça alors qu'on est suspendu entre deux dans une espèce de petit chemin là entre deux vaisseaux spatiaux. Le cordon ombilical. Commandant du Sephora. Ici O'Neill. Ah bah. Plusieurs blessés ici. Oh. Il nous faut lui, un infirmier tout de suite pour les marines touchées de Rhinodon. T'as remarqué, il a du sang, mais il n'y a rien qui est ouvert. Hein. Impossible d'utiliser le corps. Mais c'est parce qu'il saigne du dos, il s'est fait sodomiser par Sylvain, donc il saigne du cul. Ouais. Demain, quelle est la situation de 2-3? D'ailleurs, viens ici. Oh merde, pas encore. Active ton détecteur de mouvement et dis-moi ce que tu vois. Et regardez, t'as vu la souille, il y a un objectif en plus à faire. Je vous ai tous les deux. What? Et 2-3 va vers le sud, au-delà du hangar ou de l'ingénierie. 0, une arme légendaire trouvée. What? Non. Minute. Je perçois un signal inconnu. Quelque chose en mouvement. Donc là, juste pour vous, on est en coop sur Alien Colonial Marine et voilà, on est en mode endurci. Ou qu'ils sont morts. Je pense que voilà. Détecte des mouvements non identifiés dans la zone. Et je pense que les doublages français ils sont un petit peu nuls quand même. Je pense que les mecs ils étaient blasés devant leur texte, tu les écoutes, c'est. Oh là là, j'entends un signal. Que faisons-nous? Allons-y. Et merde, il y a un mec coupé en deux juste au sol. Oh regarde. Quelle moitié? La moitié qui dit rien. Le mec il est trop blasé, tu sais. Je tiens mon gun d'une façon assez étrange, putain. Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher le. Que faisons-nous? On était à l'armurerie en avant. Putain, y'a une bébête qui est rentrée là-haut. J'ai vu la bébête, attention! Gardez vos balles. Oh, pire. Conseil. What? Voyelle. Ça part réveil. J'annonce, j'ai grave envie de dessouder la porte, mais t'es un gros bâtard. Putain, je lag. Pourquoi si je vais dans le feu, oh merde, je perds de la vie. Ah bah logique, hein. Non, le feu, c'était dégueulé, hein. Eh, la blague a déjà été faite, mais putain, Sylvain, pourquoi t'as fait caca partout, quoi? Ouais, je dis-moi pas encore que t'avais une grosse envie, toi, hein. J'ai mangé thaïlandais l'autre jour, et je me vide, hein. Arrêtez de me tirer dessus. Oh, regarde, il y a pas déjà le trou, il y a déjà un assez gros trou au ventre, hein. Alors là, il y a des données, c'est flou. Qu'est-ce que... Une et il parle lui. Ouais, il parle. Et là, il y a des masses. Des... Je suis où là? Mettez-le, des... Winter. C'est des armures. Sors ton chalumeau et libère-moi vite de là. Défoncez-lui la gueule. On s'y attendait pas. Hein. C'est pas comme si on avait déjà fait la mission, hein, lol. J'ai localisé qui? Le Rhino 2-3. Il y a des cadavres ici. Je sais pas où sont les autres. Il manque encore quelques marines de Rhino 2-3. Mais arrêtez là, vous faites n'importe quoi. Et Garnet. Josh. Regroupez ceux que vous trouvez et ramenez-les au hangar avec le reste de l'eau. Saute-moi dessus. N'engagez pas. Attends, bougez pas. Ici Kiss de 2-1, chef. Vous lui faire un coup de crosse, les gars. Notre mission était de récupérer la boîte noire du sous-lac. La constante.
Je vous ai donné cette mission et c'est tout. Regroupez-vous et tu bouges pas, t'es mort. Lol. La boîte noire peut nous le dire. C'est par où? Tout mon respect, chef. Mon idée, respect, c'est de fermer votre grande gueule et de suivre les ordres. Ouais. Il est chômé quand même. Rien à foutre des ordres. Cheveux, tu sais. La boîte noire est pas trop loin d'ici. Non, mais toi, je vais te dégager de là. Hey Josh, t'es black, hein, s'il te plaît. T'es toujours là? Putain, les gars, vous êtes en train de revenir. Non, laisse-nous 10 minutes pour choper la boîte noire d'abord. C'est quoi par terre? Marine sera pas mort pour rien. Regarde, il y a un. 5 minutes pour trouver cette boîte noire et revenir. Salut. Guys, fais attention à Bella. Retrouvez la boîte noire dessus la cour. On fera bien attention. Merci, O'Neill. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on attend? Genre c'est trop plat, tu sais, il se passe rien, on peut pas avancer. Allez, au pire, tu peux... Ici, bougez on la chope et on contacte Rhino 2-1. O'Neill, t'es toujours là? Eh bien, re-salut, et puis voilà, c'est l'ellipse temporelle, comme dirait notre cher Steven. Putain, ferme ta gueule la prochaine fois. Et bah voilà, on reprend là où on avait bugué. 5 minutes pour trouver cette boîte noire et revenir. Ouais, ou pas. Guys, fais attention à Bella. Jusqu'à la mort, Marine. Et on doit chercher un fusil à pompe. On fera bien attention. Ouais, ouais. Merci, O'Neill. Regardez partout où vous faites. Je te remercie, Winter. Quoi, un fusil à pompe, j'en ai un, si moi. C'est l'arme légendaire du truc. Il y a quelque chose ici avec nous. Regardez là, là c'est marrant. Hein. C'est marrant. Ça arrive en face. Wow. Mais die, bitch. Les OMG, ils sont résistants. Moi je vais l'escalier, je vais jeter les gens. La salle avec la boîte noire est en haut. Là derrière nous. Ah, oh, ça pas quand même. C'est lui. Ah, ils ont du mal à prendre. La console s'en va. Putain, c'est chiant de se faire téléporter comme ça là. Oh, attention là. Genre ils arrivent à rentrer par là. Garder la trace des enculés qui ont fait ça au Sulaco. C'est des gens à la ramener. Non, mais oh. C'est bon. Méchant personne. Ville, hein, ville. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une bestiole. Ouais. Ah là là. Ah, mais OMG quoi. Enlevez-vous, je suis au pont. Allez, un peu à moi de faire le show là. Qu'est-ce qu'il fait le bot là? Allô, quoi? Il y a des bestioles qui arrivent. Allez, on avance. Oh. Hein? C'est pas un pompe, là? Oh! Y'a un pompe, quoi. Y'a un pompe? On arrivera dans... Où ça? Non, y'a rien. Vous êtes en retard! Je vous regardais pas, donc je vais regarder, quoi. Ah, attention, ça arrive dans le dos! Oh putain! Pourquoi je suis dans le mode... Ah, vous avez... C'est marrant là, c'est où? Vous avancez vite les gars. Ouais, c'est clair. Ah, c'est quoi ce bot là? Oh bah il m'a piqué devant moi. Sur le transporteur. Allez-y, lancez les grenades. Qui lancez les grenades? What? Oh ouais. T'es complètement con ou quoi? On sort de l'ombilical. Vas-y, moi j'ai monté la situation les gars. Ah non mais allô quoi. Ouais. C'est un hacker. Ah non mais le hacker quoi. Nous on achète les jeux quoi, non mais allô. C'est clair, laisse-moi assez de temps pour le faire, putain de fort.
préparé à tirer. À mon avis, il faut faire péter le truc comme ça. Non, il faut simplement défendre pendant qu'il frappe la porte. Josh, il est Ken. Ah, je peux pas l'aider. C'est quoi ces portes? Non, il faut 15 pompes pour les ouvrir. Allez, on passe par le camp d'ambi, quel de mes couilles là. On a réussi les gars. Une question, on se bouge, allez. Qu'est-ce qui se passe? Winter, fonce. Qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est la cinématique la plus inutile que j'ai jamais vue de ma vie. T'as vu le mec il reste devant lui, puis l'autre il se fait péter la gueule, quoi, ok. Eh Sylvain, c'est bien de voler, t'as vu? Et en fait, bon, on a tous la même cinématique, je suppose, non? Ce serait un peu con qu'il y en a qui sont envoyés, et qu'il y en a un qui sont envoyés dans l'espace, quoi. Salut! Bah, lui, il a de la chance. Ah, trop facile. Mais moi, je l'aurais fait. On a perdu les données de vol. Non. Keys. C'était Keys qui avait la boîte noire. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. On n'est pas mort. Tu vois? C'est déjà ça. Ah ouais, merci Mathieu. Allez, cassez-vous là. Ici le commandant du Sephora 2-1. Que s'est-il passé dans le cordon ombilical? Commandant, je vous reçois bien. Ah. On a perdu Case. On dirait qu'un truc lui a explosé de la poitrine. Winter est avec vous? Oui, ah, mais c'est gore, bon sang. Une idée de ce qui lui a fait exploser la poitrine? Toutes nos navettes sont en route pour évacuer les blessés et prêter main forte. Bonne question. Il y a environ 80 marines. Et on doit leur trouver un endroit où atterrir. Ah, vas-y, qu'est-ce qu'ils ont de la place dans la zone de chargement. Les gars, vous êtes prêts pour la chorégraphie? Compris. On fonce vers la zone de chargement. Move it, move 2-1, terminé. You like to move it. Par ici. C'était beau, voilà. C'était le petit. Ouais, c'était beau, c'était beau. Oh, il y a une trappe en dessous là. Mais what? Mais c'est quoi ces trucs qui avancent pas? Il est passé où le mec? Attends, ah bah ok, parce que je suis vraiment con en fait. Allez hop, c'est parti. On va se faire Allez, verrouille, attention. Oh là, on s'est fait gazer. Auschwitz. C'était quoi le sol? Commandant du Sephora. C'était des balles. Il y a des grenades. Ça des peut pas être du matos de marine comme il y a pompe. Hein. Il y a le logo de la Welland. Ça. Putain, il y a pompe, merde. Le quoi? Ma date et l'heure sont notées partout. Un signal de détresse de. Je peux... C'est quoi son nom déjà? Caporal on peut péter rien. Commandant, ici deux. Bon courage. Qu'est-ce que vous en pensez? Chef, il y a quelqu'un d'autre sur ce vaisseau? Bishop, envoie un signal à la Welland. Pas le temps de se poser le cul et de jouer les détectives. Bon. Retournez à la zone de chargement, vous deux. Terminé. Merde, on est baisé. Merde, on est baisé. Le mec trop neutre, c'est... Oh merde, ça fait chier quand même, on va mourir. Oh les gars. 5 sur 5, 2, 3. Quelle est votre situation? Je me suis réveillé. J'arrivais pas à respirer. Une espèce d'araignée agrippée à mon visage, chef. J'ai été séparé de mon unité. Des nouvelles du reste de mes hommes? Le reste de 2-3. Qu'est-ce qu'il fait lui, le mec? Il fait bien, mais il a même pas ouvert la porte, c'est quoi son délire? L'escapé de Rhino 2-1 se dirige vers la zone de chargement. Vous pouvez passer en 2-3.
Garnett. On peut pas péter là, ça ? J'ai du mal à réfléchir, Jeff. Je ne suis pas sûr de savoir comment y aller. Vous êtes tout ce qui reste de Rhino 2-3. Faites au mieux. Ok. Revenez ici vivante. Terminé. Ok. Ouais, c'est pas moi, hein, Jeff. Qu'est-ce qui va pas ? Enculé. Oh, dis-moi là. C'est même pas moi. C'est bon, hein. Il y a un truc entre nous, voilà. Quel genre de truc ? Un truc sexuel. Et fous-moi la un truc sexuel. Pourquoi il... ouais, je crois que j'ai raté un truc là. Non, on veut le pont, tout. Fous-nous la paix. Hein. J'ai regardé partout là. Putain, il est où ce pont ? Ouais, au plafond, il y a rien. Ah, appuie sur attaque de mêlée. Ah, là, on va avoir des. Non, attendez. Pas forcément. Attendez, attendez, par là, on peut y aller. Mais j'ai pas de munitions. Oh. Ah, bon. C'est quoi ça? Vas-y, repousse-les. Chuck Norris. Chuck! Tu dois atteindre une unité gravitationnelle. On sera juste à côté de la zone de chargement. Ouais, il va falloir monter jusqu'en haut. Je me demande si est-ce qu'il y a un moment où il y a des fins de mission ou pas, parce que j'aimerais pas que le gameplay se passe 40 minutes, quoi. Ouais, pareil. Il y a un mec là. Laisse-moi de la vie, sinon je vais te laisser. Merci. Oh, oh, il se passe quoi là encore? Oh putain, c'est... putain, je me suis fait téléporter 2 mètres devant quoi. Ah bah ok. C'est quoi ce machin là? Ouais, journal audio récupéré. Il y a pas de fusil à pompe. Il semblerait que non. C'est bon. Ouais, c'est tout. Là. Il y a pas de fusil à pompe. Hein. Moi, j'ai mon fusil à pompe. Moi, qui a mon fusil à pompe? Tu veux m'en faire un pompe? Moi je veux m'en faire un pompe. Elle est là-dedans. Ouais, je peux passer là, non? Oh, le mec il veut s'infiltrer partout, tu sais. Mais crève, biatch. Wow. Wow. Il y a plein de trucs là. En plus, j'étais dans le sol, tu sais. Ah, ils sont casse-couilles. Je suis bloqué. C'est quoi ce petit vislard là? C'est ça. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Non, c'est la vie, c'est la vie de la salle. Merci, j'avais plus de vie. Déjà, c'est ta vie. C'est quoi ça derrière? Il y a trois chemins, les mecs. Ouais, oh, il est là. Il est là. Oh, non, c'était pas, il y avait le fusil qui était là. Oh non, voilà la sortie. Cours pas moi, pas dans le tout. Là, vous avancez et hop, ok. Mais quel connard. Mais tiens, avancez comme des dos. C'est le mec qui avance. Bon, moi, c'est à peu près où il est maintenant au niveau de l'histoire. Mais je relance au dernier point. Non, c'est... non, 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 non. Allô. Ah, oubliez pas de fermer les portes derrière. Oh, le mec, il est trop précautionneux. On est arrivé à la zone de chargement. On se rend à la salle des commandes. On peut enfoncer les portes et faire péter ce truc dans l'espace. On va un autre là, je crois. Ça. Biatch. Oh.
quoi. Ok, lui c'est fait. Il y a encore un là-haut. Attention, putain, il y a des vieux frises des fois. Mais dégage, mais casse-toi. Non mais le gars quoi. Reculez. Et fermez la porte si possible. Allez go. Si là on peut. Oh putain il sort, regarde. Putain. Il sort quoi là? Ici Raider 6-5, j'ai le commandant avec moi. Wow, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont se faire envoyer dans l'espace. Salut. Que tout le monde se cramponne à quelque chose. Mais what the fuck? Je dois vous avertir que Winter m'a fait rayer mon vaisseau préféré, chef. C'est ton seul vaisseau, Reed. Pas 106. On a sécurisé le vaisseau. Ça va grouiller de Marines en quelques minutes. Faut qu'on retrouve Bella. Oh, j'ai une tête à côté de moi, elle est moche. Oh ouais, ça c'est bueno, ça. Défi terminé. Oh. Bon. Oh. Alors hop, j'arrête le gameplay parce que ça commence. Eh bah écoutez, ouais, bah moi aussi j'arrête le gameplay. J'espère que vous avez bien aimé, hein, que vous êtes encore là, parce que bon, au bout de 30 minutes, je pense que c'est lourd. J'avoue que c'est pas un truc à faire, hein. Super. Il y a Tyrael qui vous fait des bisous sur les fesses, et puis bisous. Voilà. Bisous, ciao. Bon. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, like, sinon je te siphonne l'anus avec une paille. Ho ho ho.